Eh bien bonjour Sagi, bienvenue pour la suite du Let's Play sur Dragon Quest Monsters 2, Kobian Taraz and the Mysterious Key. Et la dernière fois, on avait fait la Tour du Vent, je crois que c'est ça le nom, on va voir pour se téléporter. The Wind Tower, c'est exactement ça, et on a récupéré le Livre Céleste. Donc voilà, un objet, un artefact qui va peut-être nous servir pour plus tard. Après, aucune idée de vraiment ce qu'on doit faire, vraiment aucune, mais aucune idée. Mais on voit là-haut qu'il y a une grotte avec un prisme de téléportation. Et pareil, on pourra aller du côté droit. Donc peut-être qu'il faut récupérer des objets pour le moment. Peut-être qu'il y a un autre boss ou gros monstre à combattre qui aura l'orbe de lumière. En tout cas, il faut qu'on aille voir un petit peu tout ceci. Et pour mes monstres, voilà à quoi ça ressemble. Donc on est pas mal boosté en vrai. Il y a encore des changements à faire un peu plus tard. Donc on fera ça sans aucun problème. Pyrit, que j'avais appelé sans faire exprès Pigeot sur le... Précédent épisode, j'ai vu ça après, ou Pyrige, je crois, Pyrige, je l'avais appelé. Donc à fond sur l'attaque, hein. Lui il est trop bien, beaucoup de défense, beaucoup d'attaque, il est génial. Et lui, Wisdom Boost, Niflheim, Dance Breaker, plus dans le soutien, ouais, soutien vite fait moyen, et puis il tape quoi, il tape. Mais pareil, on peut faire mieux encore, sachant que lui on sait sa transformation par la suite. Et enfin, bah Briquette et Cranette qui n'ont pas changé. Par contre, j'ai fait les monstres... vous savez, comment il s'appelle? Gon, je sais pas quoi là. Le petit monstre à l'épée là qui est côté gauche, l'autre qui est à côté droit. Et après qu'on fait des synthèses, on peut faire l'autre qui est en boule et... Laisse-moi tranquille. Et enfin le petit dernier. Donc j'ai fait des synthèses pour que les deux soient fusionnés ensemble et les deux autres aussi. Pour qu'à la fin on puisse faire une grosse transformation. Mais normalement vous devez connaître le monstre qu'on peut faire avec. Ça pourrait être pas mal, on va voir ce qu'on pourra en faire. Donc on va essayer de ce côté. Là-haut, je sais pas, on voit une espèce de manoir en marais empoisonné. Enfin, il y a un truc violet. Bref. Pour le moment, on va faire ça ici. Alors, où est-ce qu'on est? The Small Cave. Okay. La petite grotte. On va voir ce qu'il y a dans la petite grotte. Est-ce qu'elle est vraiment petite? Pas tant que ça, finalement. Alors, on va aller où? Ok, bon, bah, c'est clair. Hein. Juste tout droit. Juste droit. Ok. Dégagez tous les monstres là. Ah, il y a un nouveau nonoeil. Il y a un nouveau nonoeil. Est-ce que je vais pouvoir l'esquiver? Non, je me doutais. Je ne pouvais pas. Est-ce qu'on combat? Il est marrant le Evil Seed. Il est marrant. Tactique. Tant que tu fais MP parce que elle a l'ivore. Hein. Plus agilité, je tape avant. Beaucoup trop fort. Pyrite. T'as tapé qu'une fois? Bon, dommage. Mais... Il est puissant. Kadonk. Kadonk, je sais pas c'est quoi, par contre. Kadonk. Donc, Kadonk. Je sais plus c'est quel sortilège, ça. Sweet Brief. Personne d'or. Obstacle Slash. Tac. Et un coup sur le deuxième. Blizzard Slash. Ah, ça fait des bons dégâts, quand même. Ça fait des bons dégâts. Donc, encore des choses à faire en constitution pour les PM et tout ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de boost de PM en soi dans le jeu. Il faut vraiment la jouer Magic Scrooge, etc. Petit objet derrière. Bon, tant pis. Je continue par là. Peut-être un artefact aussi à récupérer ici. Que sais-je? On va bien voir. Touk. Bon, la grotte est sombre. Je pense en vidéo, vous verrez mieux que moi. Ah! Mais, qu'est-ce qu'ils font eux? C'est un vrai coffre? Ou c'est un monstre? C'est un vrai coffre? Allez, où toi? La même chose. Puis il tape, hey, tape fort. Hein. Mais quand même du sang et calque. Malgré qu'il n'est pas fait pour frapper. Peut-être que les monstres vont changer après. Bon, on garde bien sûr le starter. Même si starter, je trouve pas non plus si fou. Ah, donc c'est bien un coffre qui a fait tomber. Mais par rapport à l'histoire, je préfère le garder. Faut que je te remette ça. T'as quoi, toi? Obsidian Sword? Non, il faut ça. C'est mieux. C'est bien un coffre qu'on peut choper. Redden Sap. C'est un objet. Je pense pas que ce soit une arme. Tac. Oui, non, c'est pas. C'est juste une ressource. Rien de plus. Alors,
On peut aller en haut ici. Ou encore, eh ben, on va passer là-haut. Mauvais chemin. Il y a un objet. Forcément un objet, je l'espère en tout cas. Oui, il y a un coffre. Ok. En plus, on esquive le poison. Monkey Mud. De la boue nauséabonde. Ah, peut-être c'est ça. C'est peut-être ça. Pareil, ressources. Ah, les petits diablotins. Est-ce qu'on peut leur faire peur à eux? Pas du tout. Yeah! Allez, on va aller par là. Voir ce que ça donne. J'avais amélioré mes équipements aussi. Alors, je sais plus si c'était lors du précédent épisode ou celui-là. Salut toi. Comment j'y vais? Siffle. Non, c'est juste. Je sais pas si je peux y aller. C'est un étage inférieur. Il y aura peut-être un passage. Ça, je le vois pas tout de suite. Alors, toi, tu caches quoi? Un coffre. Cache un coffre. Il y a beaucoup de coffres, hein, là. Début de grotte. Donc. C'est vrai que notre équipe est quand même particulière. De toute façon, on l'avait dit, hein, j'avais proposé quel genre d'équipe on pourrait faire. Il y a plus de monde pour dire, on fait un peu tous les monstres, donc là on a un peu tous les monstres. Hein. Mais vraiment. Skirstir. Tac, tac. Encore. Tac, tac. Par contre, j'utilise vite ces PM. Hein. Voilà, vraiment ce qui manque, c'est vraiment les PM en jeu. Zarmol. Bah écoute, on va tenter un... Ah, je l'ai déjà, apparemment. Est-ce que je l'ai encore? J'ai peut-être fusionné. Oh, c'est pas grave, on va combattre. Ça va faire l'XP. Zou! Zou, 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 zou. Hop! 5 punch room, encore. Je me suis fait chier en farmer en plus pour améliorer les équipements. Finalement, j'en ai là. Pour augmenter l'attaque. Oui, je venais de par là, moi. Casse-toi. Scale Shroom, je prends. C'est quoi ces bêtes? Les trucs de pistil, je sais pas quoi là. Je crois que vous avez vu en synthèse. Ils ont pas mal parce qu'ils tapent plusieurs fois. Donc, les métalleux, c'est cool. En fait, je peux pas y aller. Donc lui, s'il y a moyen de le dresser. Là, je descends d'un étage. Donc peut-être ça me ramène vers lui. Hein. Et je crois que ça ramène vers lui. On voit le gros truc là-haut. Carte. Alors à gauche ça remonte. Et ça. Le gros monstre. On va essayer de se le faire pour voir si on peut. Il se dresser aussi parce que là bizarrement on nous donne une viande. Monster bait. Il y a un coffre. Hop là. Ok. Temporal crystal. Et on retourne combat. Énorme. Prends pas surprise. Eh ben, Psychop. Psychop, il va peut-être vouloir frapper. C'est pas grave, au moins il va l'affaiblir. On va utiliser Smoke and Meat. Et on fight. Bloop. Si tu fais une tension 5, tu feras pas après. Non. Il frappe bien. Donc le but c'est de le mettre en défense. Parce qu'il faudra toujours frapper. Allez, bouffe mon petit. Enfin, façon de parler. Gigantaille? Non, une attaque normale? Qu'est-ce qu'il est? Elle tape 3 fois, hein. 3 fois. Peut-être une quatrième? Non. Pas de quatrième. Allez, Psychop, défense, Psychop. Et encore, hein, Smoke and Meat. On va essayer. Hein. Ça peut être un peu dur. Mysterian Mauler. Je vais peut-être mourir. Non? Tape une à trois fois? Ok. Bon, je vais le soigner. Hop. 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 Tension 100. Affaiblir un tout petit peu. Je pense que j'aurais pu plus l'affaiblir. Je connais pas ses points de vie.
Ok. Bon bah, scout, hein, testons. Ça va combien de pourcents mes 3 viandes? Oh. Oh bah carrément. Moi je croyais plus fort que ça. J'ai mis un coup critique là à la fin. Je croyais vraiment plus fort que ça. Hein. Bah pas du tout. Pff. Bon. Au moins on l'a. C'est cool. Je vais t'appeler Georges. Georges Edou. Georges de la jungle. Ça te va bien. C'est rare que je donne des prénoms, hein, mais ça lui va bien, Georges. Parfait. Et donc on va soigner avec Cranette. Hop. Voilà. Ok. Bon bah j'ai capturé votre papa. Trop cool. Mais il était simple finalement. Avec Ariel a tout mis quasiment. Je veux le savoir. Du coup moi je viens du côté gauche. Il faut que j'aille au fond. Bah. C'est jamais, comme ça je récupère des objets. Ça peut toujours servir. Hop. Mais ça, je me suis pas trompé. Hein. Ok, on laisse bien ça. Bou. Bou. Batwing. Parfait, ça il m'en faut, je crois. Pareil pour améliorer les équipements. Monstre. Oh, Monster Pattern 4. Trop cool. Bah, ça avance en vrai. Hein. Pour le moment, j'ai pas trop regardé. Pour les patterns. On peut choper ça, mais. Après, voilà, je sais pas où j'en suis par rapport à l'histoire. Donc, si je peux m'y intéresser tout de suite, histoire qu'on puisse voir tout ça. Tac, tac. Tac, tac. Trop bien de taper deux fois comme ça, plusieurs fois en plus. Voilà. Brick. Ça monte lentement l'XP, on peut le voir dans ce jeu. Hein. J'ai voulu l'esquiver. Bon, on va combattre aussi, comme ça on va monter d'un niveau. Avec Réglisse. Allez, va les piquer. Tchou, tchou. mais je trouve trop beau ce monstre, hein. Franchement, il est overstylé. Par contre, toi, tu manques vraiment de puissance. Hein. Bon, après, j'ai pas tout débloqué. Compétences. Comme je dis, il va falloir que je retravaille, voir ce que je peux leur mettre. Hop. En fait, c'est Aerial. Normalement, elle est dans un but support, comme on l'avait créé au début, mais elle a quand même une bonne puissance et tout. Hop, Kazam. Bientôt. Mais sans plus, quoi. Peut-être me soigner un peu. J'ai que mutil. Bon, je paye moins cher. Hein. Je paye moins cher. J'ai 30 PM pour mutil, c'est déjà mieux. Alors, tac. Je vois plus rien. Bou. Batwing, parfait. Bon, là, il n'y a rien de plus, apparemment. Il a pas peur. Mirror Stone, ça j'en ai déjà plein. C'est un boss? The fuck? Il m'attend. Donc tu es venu ici. Pour prendre le trésor, c'est ça? Est-ce que tu crois encore? Mais premièrement, course en ordre d'opération de ma victoire. Je vais appeler les troupes. Allez, go attaquer. C'est bien, boss. What the fuck? C'est trop drôle. Donc, je peux pas scout. Ça se trouve, il cache des choses. Il est peut-être fort. J'utilise Magic Water. Comme ça, on va pouvoir frapper lui aussi. Lui va utiliser magique barrière pour résister à la magie. Et toi, nous merci. Voilà. On est énervé. Ah, Samba des étoiles. Ouf, ouais, Samba des étoiles en effet. Gamble Counter, trop bien ça. Il a beaucoup de vie en plus. Allez, zou.
Pas one shot. Ah. Pas mal de vie finalement. Alors on va soigner avec un strong médecine parce que je vois qu'il prend cher. Je te laisse encore faire. C'est une attaque infligée des dommages. Je vais le laisser faire aussi. Qu'est-ce que ça donne? Ok. Critique. C'est pas bien aussi que des équipements qui font des critiques. Des Anne mort. Touk. Et le deuxième, je pense. Et après, il restera le gland de mercure. Trop drôle. Boum. Ça va, ça va, ça va. Tranquille. Ah ouais, il a bien la... Ouais. Ça qui pouvait être dur, c'est qu'il a bien la défense d'un gland de mercure. Bon, fais un multi-heal. Comme ça, on est tous soignés. Voilà. Tout utiliser un objet. Et c'est gagné. Mini médaille. C'est vrai qu'il va falloir que j'aille remettre les mini médailles hein, aussi. C'était trop rigolo. Est-ce que tu peux me rejoindre, tiens? Une promesse est une promesse. Il se casse. Génial. Hop. Du coup. Ok. Calice célestial. Calice céleste. Il y a bien des objets à récupérer, mais à quoi ça va servir tout ça? On va rentrer au bercage parce qu'on va aller faire une synthèse pour voir. Donc voilà, c'est bien lui que je peux faire. Hop. On va aller voir la fusion. Et hop, le résultat des fusions. Donc c'était Bo et Jum qui ont fait un mum. Et enfin Bo et Mum qui ont fait un mum. Donc ça voilà, cette fusion là on la connaît très très bien. Ça y est, dans tous les Dragon Quest Monster Joker quand il y a ces monstres là. Et on peut faire lui. Donc la version plus puissante. Sachant que j'ai mis des bonnes compétences en plus. Hein. Défense boost 3, je vais aller. Là, je vais aller aussi à attaque boosteuse 3. Donc, il y a moyen qu'il soit super efficace. Genre, on prend ça, ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre après? Parce qu'il y a du cap buff. Là, on a des boosts aussi. Cap ping, ping, cap buff. Je pense que attaque et défense boost, je vais laisser tomber. Et prendre un truc de ce genre. Il mid heal, ça se soigne. Oh, je suis peut-être plus partant pour fortifier. Oh, il y a barricade. La clan, la win, ouais, je sais pas, ouais. Ah, il y a Miss Me, counter. K-buff, etc. Ça pourrait être rigolo, ça aussi. Hein. Miss Me pour rater les attaques, défending champion. Counter. Alors mes barricades au pire. Mes barricades. C'est sa compétence. Oh là là, stylé. Stylé, stylé. Elle va trouver un joli nom. Je pense Baby Roule, c'est pas mal. C'est très rigolo. Ah, je le prendrais bien avec moi lui. Hein. Ah, je le prendrais bien avec moi. Après, qu'est-ce que je pourrais retirer? Peut-être Réglisse. Puisque lui il est trop fort. Ça ferait des attaquants à un soigneur. Je dégage Strongest Monteneur. Et je mets de l'agilité ou un truc pour diminuer les PM. Quelque chose comme ça. Là, Babiro, l'attaque boost 3 et défense boost 3. 128, 108. Paralysing, donc il peut paralyser. Bon, il a quelques faiblesses, mais il a plein de trucs qui nullifient. Elle peut vraiment être cool, hein. Elle peut vraiment être cool. Ouais. Du coup, on va prendre quoi là-dedans? On va prendre ça. Ça, ça. Attends, il y a les Vanguard. Et Maurice Mélange, qu'est-ce que c'est ça?
Oh! C'est pas mal ça! On va prendre ça. Attaque. Magic Miser, MP, il y a plus de. Ah! MP, Wiz. Oh, ça fait pas mal ça aussi. Tu mets la magie, gagner des PM, de la sagesse. Et un peu d'attaque. Adieu défense, je vais prendre ça. Parce que Maurice mélange. Trop cool aussi. Hein. Trop cool. Hop. Je sais pas si c'est lié à Mori ou non. Vas-y, est-ce qu'il y a autre chose à faire? En termes de synthèse. J'adore ruine. J'adore comment on se ruine. C'est avec qui? C'est trop facile. Ouh. Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Oula, ouais. Je pense que je vais le faire lui. Hein. Oui. On le fera pour. Alors j'ai recherché le monstre, possiblement les statues Golden Golem, c'est trop facile à avoir. Quand on va XP l'autre. Et l'épisode prochain, on pourra faire la synthèse de ruine. Et vraiment j'aime beaucoup beaucoup ce monstre. Après j'ai toujours Gilgush Gush aussi que je dois faire. Il me faut quoi? Il me faut un Tomatosaurus, donc il faut faire quelque chose pour faire un dragon. Et après pour moi j'ai rien de plus. Alors si on part sur un Black Dragon et tout de ce genre. Ouais j'ai rien de plus. Mais c'est déjà pas mal hein. Ah ruine. Bah bon l'espèce Dragon Quest Monster Joker 1, j'avais fait lui aussi. Le truc un peu démoniaque, etc. Bon c'est un monstre matériel mais il est aussi démoniaque. Dragon Quest 8. C'est beau. C'est trop beau. Hop. On va retourner. Celestial Keyworld. On va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Parce que là voilà, deux artefacts finalement qu'on a récupérés. Mais quoi d'autre? Genre si je retourne à Small Cave. En rapide. Merci le son. Et que je vais... Pour le coup, alors à droite il y a deux passages. Un vers le bas. Un plus vers le haut. Ça revient peut-être au même. Ah bah voilà, il y a la petite maison avec les petites étoiles. Donc voilà, ça fait apparaître ces choses-là. Mais ça apparaît pas tout le temps. Donc là, je vais essayer d'en dresser, hein, au pire. Comme ça. Hop! On va mettre de la tension. Alors, Psycup, tu vas te mettre en défense, hein, tu vas faire des bêtises. Et on va utiliser un Monster Bait. Je pense qu'une tension, ça suffit. En tout cas, je l'espère. Et on peut voir si c'est mâle et femelle d'ailleurs. On peut aller sur eux et après regarder. Enfin, lui, Karatine attaque. Lui aussi. Mais c'est bon, c'est réussi. Ouf. Petit confetti. Niveau 35, hein. Il est niveau 35. Parce que moi, j'avais fait en synthèse. Dès qu'on avait pas réussi à le capturer. Ah, je peux pas. Goldwing. Eh ben je ne peux pas. Ah. Est-ce qu'obtenir les trois objets, parce que là ça a l'air de ressembler à trois objets, ça permet d'obtenir un pouvoir qui est la Goldwing pour voler plus loin ou je sais pas quoi. Puis pouvoir récupérer prochainement une orbe de lumière. Bah. Il y a peut-être quelque chose d'autre là. Oh, casse-toi toi. Il y avait un truc ou pas? Non, je vois du monstre. Et un coffre caché, bien sûr. Bon, je pense qu'on va se mettre au téléporteur là-haut. Et on fera ça pour le prochain épisode. Garder un peu de mystère, de surprise. Mini-médaille, c'est vrai. On va aller remettre les mini-médailles. Je vais me téléporter. Une fois que j'ai pris le truc. Et ce sera bon. Ouais, encore du pognon, encore plein de pognon. C'est qu'il donne à fond du pognon, mais j'ai rien pour le dépenser là. La dernière boutique, faudrait peut-être que j'aille voir, peut-être quand même des trucs un peu plus forts. Par rapport à ce que j'ai obtenu. Qu'est-ce que c'est que cette zone? Hop!
Castle of the Dead, d'accord. Le château de la mort. Et ben, on mourra une prochaine fois. Attendez, Great Log, donc je vais juste remettre les mini-médailles. Puis, de toute façon, malgré tout, bah, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode encore une fois. On a fait un petit donjon qui était une petite cave. Tranquillou pipou. Hop. Et on sait ce qu'on aura à faire par la suite. Là, en plus, un nouveau monstre en notre possession qui m'a l'air trop bien. On va voir pour lui faire une petite place. Contest pattern, bah donne un pattern. Voilà. Le prochain, c'est 25, 30 pour un liquid metal slime. Super. Allez, des bisous. Et bien, la prochaine, c'était AJ. Tchuss.